président Sarkozy est venu visiter notre entreprise. Nous sommes une vieille entreprise rémoise qui a été créée en 1797. On a deux activités, on est fabricant de vinaigre et moutarde et on est aussi conditionneur de distributeur d'une gamme de produits d'entretien. On est passé par la fabrication du vinaigre, ensuite nous sommes allés voir la fabrication de la moutarde. Et le président Sarkozy a pu rencontrer l'ensemble de nos collaborateurs. On est 170 collaborateurs sur le site. Voilà, nous, on est une PME familiale de 300 collaborateurs. Et on livre à peu près dans 75 pays. Ben moi, je travaille sur les quais. Et puis je suis secrétaire du comité de Sarkozy, des délégués syndicats de CFDT. Voilà. Et ça se passe bien. Voilà. On a réussi à avoir un bon dialogue avec la direction. Quand les syndicats sont bons et le patron est bon, ça marche. Après, on s'est réunis, il y a eu cette table ronde où on était une quinzaine de chefs d'entreprise de la région. Il y avait un certain nombre de mesures concrètes qui étaient proposées. La suppression d'un certain nombre de normes, de charges, d'impôts. Je souhaite, en même temps que l'élection dépense, une baisse de l'impôt sur le revenu. Parce que les classes moyennes, c'est le fondement de l'économie française. Et deuxièmement, une baisse assez massive des charges pour toute l'industrie. Je voudrais que vous soyez au niveau moyen de votre marché de référence, qui est le marché européen. Merci. Parmi beaucoup de présidents, il a vraiment réussi à donner une âme, un personnage, et donc pouvoir le voir et le rencontrer, ne serait-ce que lui serrer la main, c'était un grand honneur. Et c'était bien qu'il soit aussi proche des jeunes et de toutes les personnes ici. Là, je viens, je veux essayer encore de l'encourager pour lui dire encore, il faut y aller, on compte encore sur lui. Ben, mon message, c'est ça, c'est en fait qu'il revienne, qu'il ne nous oublie pas. Qu'il redonne un peu d'élan. Qu'il redonne un peu d'élan. Et on est derrière lui. Merci infiniment. Nicolas, merci beaucoup. Merci infiniment. Hein.